La princesse Eugénie suit les traces de Meghan Markle et du prince Harry en annonçant le lancement d'un nouveau podcast. La princesse Eugénie s'est rendue sur Instagram pour partager la nouvelle passionnante, deux ans après que Meghan et le prince Harry ont signé un accord pluriannuel avec Spotify pour produire du contenu audio et des podcasts exclusifs. La plus jeune fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson a annoncé dans un article publié mercredi matin que son association caritative, The anti Slavery Collective, lance son nouveau podcast. Le programme hebdomadaire est intitulé Flood of Light et accueillera un éventail d'invités discutant de l'esclavage moderne et de la manière d'y mettre fin. La princesse Eugénie Co anime le podcast avec son ami proche Julia de Boinville, qui a cofondé avec elle le collectif, une organisation visant à sensibiliser à l'esclavage moderne et à trouver des moyens d'y mettre fin. Le message de la princesse disait Mon organisme de bienfaisance, arrobase anti-slavery collective est ravi d'annoncer son nouveau podcast, Floodlight. Rejoignez moi et ma cofondatrice, Julia de Boinville, chaque semaine alors que nous nous asseyons avec des invités de tous horizons qui aident à combattre l'esclavage moderne de diverses manières. Des législateurs et chefs d'entreprise à des militants célèbres, des survivants et des journalistes, Floodlight vous montre à quel point l'esclavage moderne est important et que nous pouvons tous faire quelque chose à ce sujet. Nous tenons à remercier tous nos invités de nous avoir rejoints ainsi que @stackpod d'avoir donné vie à ce projet. Il est disponible partout où vous écoutez des podcasts, recherchez simplement Flou de Light ou suivez le lien dans ma bio pour écouter maintenant. Eugénie a également partagé une photo promotionnelle pour le podcast, se montrant elle-même et Madame de Boinville. Le couple a déjà publié le premier épisode de leur nouvelle entreprise, une émission de 37 minutes au cours de laquelle il parle de l'esclavage moderne avec Caroline Ogreob QC, une avocate qui a aidé à rédiger la loi sur l'esclavage moderne et à diriger les poursuites pour l'Opération Fort, le plus grand humain réseau de trafiquants jamais découvert au Royaume-Uni. La princesse Eugénie n'est pas le premier membre de la famille royale à héberger un podcast. En décembre 2020, Meghan et le prince Harry ont dirigé un épisode spécial de vacances, peu de temps après l'annonce de la signature d'un accord avec Spotify. Au cours de l'épisode spécial, le couple a réfléchi à 2020 et a accueilli un éventail d'invités, dont le comédien James Corden et le chanteur Sir Elton John. Plusieurs mois plus tard, le 24 mars, la société de production audio des Sussex, Archer Audio, a annoncé que la duchesse allait diriger un nouveau podcast, appelé Archetype. Le programme vise à enquêter sur les étiquettes et les stéréotypes fabriqués pour essayer de retenir les femmes. Archétype sera lancé cet été et proposera des conversations non censurées sur le sujet. Dans une bande annonce publiée le mois dernier, on peut entendre Megan dire Voici Archetype, le podcast où nous disséquons, explorons et subvertissons les étiquettes qui tentent de retenir les femmes. J'aurai des conversations avec des femmes qui ne savent que trop bien comment ces typographies façonnent nos récits. Et je parlerai aux historiens pour comprendre comment nous sommes arrivés ici en premier lieu. Spotify n'est pas le seul géant du streaming avec lequel le duc et la duchesse de Sussex travaillent. Il y a deux ans, après avoir quitté leur fonction de membres de la famille royale, Meghan et Harry ont également signé un contrat pluriannuel avec Netflix pour produire des docu-séries et des émissions pour enfants, entre autres émissions. Le duo a pour l'instant annoncé la production de deux produits, Art of Inovictus, Centré sur les Invictus Games et ses participants, et Pearl, une série animée retraçant les aventures d'une jeune fille. La princesse Eugénie et les Sussex ne sont pas les seuls au sein de la firme à avoir fait un pas dans le monde des podcasts. En février 2020, Kate a participé en tant qu'invité spéciale à un épisode de Happy Mum, Happy Baby de Giovanna Fletcher. Au cours de l'émission de 30 minutes, la duchesse a parlé franchement de la maternité, de sa préparation avant l'accouchement et de sa propre enfance et de la façon dont elle l'inspire en tant que mère.